Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Premier jour de Ramadan, c'est passé tellement vite, c'est une dinguerie. Comme d'habitude, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander est-ce qu'on va faire des vlogs du Ramadan. On va essayer de vous en faire. Là aujourd'hui, on va aller voir Younes et Myriam comment ils se débrouillent. Moi, vous vous demandez est-ce que je vais jeûner ou pas parce que j'ai des problèmes d'estomac. On va le savoir très vite, je vais essayer, on verra ce que ça donne. Et tu me laisses faire ce que je te dis. Hein. Ça va ou quoi les gars? Oh, les vlogs Ramadan, mon gars, ça va ou quoi les gars? Vous allez bien? Francis passe toujours le jeûne, vous avez pas trop faim pour son soif? Mais comment t'as autant d'énergie toi? Commence pas, toi, commence pas, frère. Vas-y, Myriam, c'est comment? Les gars. Vous allez faire quoi là? Là, c'est le prime de l'année. On va aller dans un magasin pour acheter des provisions pour se mettre bien. On va vous montrer les meilleurs, des glaces, des gâteaux. Tu viens avec nous Yacine ou tu restes là? Frérot, regarde mes doigts comment ils sont congelés. Tu vois comment ils sont congelés mes doigts? Oh ça le fait plus. En vrai mes doigts ils deviennent tout blancs quand ils sont congelés. Myriam, Yacine il vient. Ah mais je paye pas hein. Comment ça tu payes pas? C'est toi qui payes. Myriam écoute ses baskets, qu'est-ce que tu veux? Comment tu t'en faire la cuisine? Je cherche un ciseau pour Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien. Pourquoi tu coupes tes baskets? Commence pas Myriam. Oh là, et ben la journée elle commence très très bien. Myriam, laisse. Mais c'est ça le style, c'est le style. Moi je vais mettre l'autre basket parce que les gars c'est pas mal de marcher qu'avec un pied. Tu veux que je te coupe tes lacets? Attends. Bon vas-y habillez-vous, on va aller au magasin là. Quand je fais des provisions pour le Ramadan, j'achète toujours des trucs que j'achète jamais, je sais pas pourquoi. Tu conseilles lequel? Mousse au chocolat, oui. Et on va prendre des yaourts au beurre de cacahuète, ça a l'air incroyable. Entre les deux. En vrai la nuit. Celui-là. À minuit, celui-là il passe trop bien à minuit. Okay. Les glaces c'est le meilleur truc pendant le Ramadan. J'avoue le soir ça passe trop bien. À minuit tu tapes des glaces. Et ça fait trop grossir aussi. Mais vas-y toi grossir. Oh, regarde, moi je dis les meilleures glaces les gars c'est les magnums. Les magnums ceux-là là c'est trop bon. Est-ce que vous vous rappelez tous les soirs quand on mangeait ça là, les trucs comme ça avec papa? Ouais. C'était incroyable. Ça veut dire on les met dans le frigo en deux jours il n'y a plus rien. T'abuses pas deux jours. On est en train de dévaliser les glaces. Mais elle est malade mais. Non. C'est trop. On est au rayon spécial Ramadan. Cette année ils ont mis de la salade méchouille. Eh les gars, je crois que c'est pas tunisien ça. Je sais pas. Eh les gars, je sais pas comment vous pouvez grailler ça. Peut-être que je m'y connais pas. Mais ça avec du felfel, t'es un ouf toi. On est d'accord que c'est. Non, écoute bien. Là on va vraiment prendre 25 kilos parce que c'est que du sucre. C'est que du sucre. Toi tu fais la folle depuis certains moments. Calme-toi déjà. Arrêtez, c'est le Ramadan, arrêtez. Le mois du Ramadan il vient de commencer. Hein. J'en ai déjà marre de les voir. Un truc le plus important du Ramadan, on va prendre des dentifrices. D'ailleurs, c'est quoi les goûts des dentifrices? Parce que les gars, pendant le Ramadan, niveau l'haleine, c'est pas évident. Oh, c'est là-bas, viens, regardez. Pour Younes, prends-en un bon pour Younes. T'es en train de dire que je suis de la gueule, moi? Prends un bon. Y a pas un spécial Ramadan? Extra fraîcheur. Y a celui-là, la noix de coco aussi, il est pas mal celui-là, je crois. Moi, je prends au charbon, j'aurai les dents blanches. Coco, c'est-à-dire qu'il y a un goût de noix de coco. Ah, pendant le Ramadan, l'haleine d'un jeûneur, ça a comme l'odeur du musc. Ah ouais? Ouais. Je sais qu'à 4h du matin, vous êtes nombreux à manger des Kellogg's. Donc Myriam, prends le paquet que tu veux de ton choix. Je même te l'offre, c'est pour 20 moi. Euros. Prends ça. Non, ça c'est pas bon ça, Younes. Non, pas ceux-là, Younes. Encore une fois, tu vois, t'étais pas je un... Je vais prendre un ça. Voilà, prends au moins ceux-là. Oh, ceux-là, ils sont pas mal. Toi qui manges ou... Attends, non, moi je mange pas de Kellogg's. Alors? Voilà, c'est le ventre qui décide. Ça y est, Myriam, avec tes Kellogg's, tu m'as donné envie. Maintenant, prends le paquet de gâteaux que tu veux. Oh là là, hey, les gars, plus les années du Ramadan, ils passent, plus on mange n'importe quoi. C'est vrai. Mais en vrai, les gars, on fait du sport. Fini, ça, hein. C'est fini, attends. De quoi qui est fini? On parle des Pimps. C'est fini les Pimps, les gars. Arrêtez de m'associer à vos Pimps. Hein. Ça fait combien de temps que j'ai arrêté les Pimps? Ça fait un an que je mange plus de Pimps, les gars. Attention. C'est bien. Elle est partie loin. Hey, les gars, faites pas comme nous, surtout manger équilibré. Hein. Kinder Delice. Mais non, ça c'est fini aussi. On est passé au. Tu veux ça? Ouais. Pépito. Pépito, aïe aïe. Les amis. Il y a assez de prendre une boîte pour toi. On est passé au Pépito maintenant. C'est fini les Pimps. Il est ouvert le Pépito. C'est vrai, c'est pas moi. Ok, bon, on part sur Kinder et Pépito. Allez. Il nous manque un dernier ingrédient, du sirop pour les boissons. On fait une course. Ouais. Let's go. Il est rapide la pauvre. On prend. Pour l'aller-retour. Non, pas grenadine, c'est pas bon. Prends si. À la pêche. Ok, on fait la course. Vas-y, on repart. Yacine nous attend. 3, 2, 1, go. Allez, ouais, les amis, on a rempli tout le tapis. À la près du Oasis, on a pris plusieurs trucs. Bon, ça va nous suffire ça pour le Ramadan? Ça, pour un jour, ouais. Pour un jour? Pour la première nuit. Vous connaissez les amis, la cote familiale, pendant le Ramadan, on kiffe faire du sport. Par contre, les gars, je vous préviens, ceux qui font du sport pendant le Ramadan, c'est ceux qui ont l'habitude de faire du sport habituellement tout le temps. Parce que ça peut être dangereux pour votre santé. Je sais qu'il y en a plein, ils vont se dire, je veux perdre du poids, du coup, je vais faire du sport pendant le Ramadan. Mais si vous en faites pas à côté, ça peut être dangereux. Regarde ce qu'il fait. Elle va mettre des crampons, les gars, pour la première fois de sa vie. Pour la première fois, elle teste de mettre voilà, des crampons. Tu te prends pour Neymar ou? Il y en a, ils ont dit dans les shorts, je suis plus forte que Neymar. Prime. Mais quelqu'un lui dit que les crampons, c'est fait pour jouer sur le synthétique ou l'herbe, alors que là, il y a du béton. Mais elle va jouer derrière toi. Dans l'herbe là-bas. Eh, ça vous dirait pas, on fait un terrain de foot derrière là? En vrai? Ouais. Oh, ça peut être incroyable. On dirait des talons, le bruit. Mais va sur l'herbe, bandouille. Je vais les salir. Mais c'est. De toute façon, des crampons, dis-toi que tu vas bien les salir, non, Yacine? Tiens, fais-nous un bail. Tu fais quoi? Ce que tu veux. On va faire un Neymar, vu que. Oh. Petite virgule. Petite virgule.
Eh les gars, tu sais quoi, j'ai envie de l'entraîner et l'entraîner dans un club et qu'elle devienne pro. Un club? Oula. T'as envie? Elle a trop regard la Dex qu'elle a, on dirait pas un numéro 7 ailier droit là. Non, Myriam, c'est. Vas-y, pas, déborde, mais... déborde, vite fait, déborde, déborde. Myriam qui accélère. Passement de jambes. Oh, Yacine, Yacine, Yacine. Viens, on l'inscrit. Vas-y, on va l'inscrire. Viens, on l'inscrit, on l'entraîne. Myriam, viens voir, je vais te poser une question. Est-ce que tu aimerais qu'on t'inscrive? Ah, par contre, le cardio. En vrai, regarde, en vrai, tu t'inscris dans un club? Et nous, on la suit en mode Myriam en match réel. Oh là là, tu veux là ou pas banger. On t'inscrit dans un club. Dans un club de foot et nous... nous non, mais là, je te parle en sar ou alors tu veux juste t'amuser, toi, pour l'instant. En sar? Ouais. Bah, c'est toi qui m'entraîne. Oui, je t'entraîne. Mais est-ce que tu vas aller dans un club? Non, non. Ok, pour l'instant, oh, on veut dommage, pas. Dommage, on aurait fait une bête de série Myriam en match réel. Bah, mettez-lui dans les commentaires, encouragez-la, peut-être qu'elle va changer d'avis. Non, mais moi, si je veux aller en club, c'est toi le club. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent pas à faire le ramadan, ils disent c'est trop dur, j'en peux plus. J'ai été dans cette situation-là. Dites-vous, la famille, que ce mois-là, il est incroyable. On a préparé trois choses à vous dire avec Myriam pour vous motiver à faire le ramadan. Les portes de l'enfer sont fermées. Dites-vous, l'enfer, c'est une des pires créatures qui existent. Aller en enfer, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Tu vois, dis-toi, t'es puni en enfer tout le temps, ça s'arrête jamais. Ouais. Tu brûles, tu revis, tu brûles. Et ces portes-là, elles sont fermées. C'est à quel point ce mois est important. Le mois du ramadan. Deuxième chose, le jeûne. Vous voyez là le jeûne, vous mangez pas, vous buvez pas toute la journée. Et ben le jour du jugement, le jeûne il va venir vous aider. Dans le sens où t'avais peut-être plein de péchés, t'avais peut-être fait des mauvaises choses, le jeûne va dire à Allah, je l'ai empêché de boire et de manger, pardonne-lui. Et Allah il est capable de faire parler toute chose. On se dit, mais comment le jeûne il va parler? Nous on peut pas comprendre avec nos cervelles de moineaux. Mais Allah il peut tout faire. Le troisième c'est lire le Coran. Au moins une page par jour. Les gars, pendant le ramadan c'est important de se faire un programme. Par exemple, tu fais un programme, tu te lèves, tu vas à l'école, après tu lis le Coran, faut au moins dans sa journée lire le Coran pendant le ramadan. Au moins, d'ailleurs, viens, on va ouvrir le Coran et tu lis un verset. Vas-y. On a ici le Coran en français et en arabe, donc on va l'ouvrir. Myriam va vous lire un verset en français. Surat, la lumière est nul. Allah est dit dans le Coran, Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. T'as compris quoi? Allah, il met des signes tout autour de nous. Il faut juste qu'on réfléchisse avec nos yeux. Il faut réfléchir à ce qui se passe autour de nous. Regardez par exemple, la température, elle est bonne pour les humains. On a à manger, on a à boire. Il y a les créatures, les oiseaux, les arbres. Il y a la nuit pour se reposer, le jour pour faire les activités. C'est une dinguerie. Il y a tellement de signes. Et il y en a qui passent à côté. Ils réfléchissent même pas. Donc Dieu nous dit, réfléchissez par vous-même. Regardez les signes qu'il y a autour de vous. Et aussi, les gars, c'est très important de lire au moins une fois par jour une page du Coran. Ça vous prend quoi? 5 minutes de lire une page? Et quand vous lisez la page de Coran, réfléchissez à ce que vous lisez, les gars, c'est important. Tu vas le faire, toi, Myriam? Bah oui. Inch'Allah, d'accord. Inch'Allah. Bah, on se motive tous à lire au moins une page de Coran par jour. Myriam, t'inquiète, on va bientôt manger. T'en peux plus. T'as trop faim. T'inquiète pas, mon rey. T'inquiète pas, ça arrive dans 8 minutes. Ce qu'on a commandé, ça vient dans 8 minutes. Bah, frère, t'as tenu jusqu'à ce temps-là. Tu peux encore tenir quand même. Fais voir ta langue si elle est blanche. Ouais. On a préparé des méga feuilles de briques pour ce premier jour du ramadan. Regardez-moi ça. Oh oui, effectivement c'est chaud. Oh là là. Eh, hey, il y en a qui appellent ça des samoussas, mais c'est pas des samoussas, c'est des feuilles de briques. Moussa quoi? Myriam, c'est pas pour te vexer, Myriam, explique-lui s'il te plaît. Aujourd'hui, il y a ni feuilles de briques, ni charba, ni citron, il y a rien. Aujourd'hui, c'est burger. Désolé Yacine, juste aujourd'hui comme c'est le premier jour, on va pas manger de feuilles de briques aujourd'hui, on va se mettre bien avec un fast-food. Je suis vraiment désolé Yacine. Maman, vous voulez des feuilles de briques? C'est burger et pas et pizza. C'est enfin l'heure de manger les amis. J'ai voulu me faire plaisir comme Myriam l'a dit, pas de briques aujourd'hui, 50 euros. Quoi? 50 balles! Eh, vous abusez, c'est intérêt d'être ultra bon. C'est intérêt d'être ultra bon. 50 euros, c'est là, c'est ouais. Vas-y, on va l'ouvrir. Ce petit sac. Ce petit sac, 50 euros, frère. Ils veulent un petit indice. Oh là là, on va se mettre bien. Si on mange de la nourriture, c'est toujours grâce à Allah et c'est pour ça qu'il faut toujours le remercier. Et toujours pas oublier les gars, la nourriture, la bonne santé, c'est grâce à Allah. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la prière pour le remercier et qu'on se comporte bien avant de le rencontrer, la famille, c'est important. On commence par, le mec a rien compris, des sauces. On va manger des sauces. Rigole, ça va. My burger raclette. En plus déjà qu'on a fait un dernier fast-food avant le ramadan, on remange un fast-food, ça c'est le tien. Une box internet, on dirait pas une box internet. On a commandé pour 50 balles de Pepe Chicken les amis. Si on a des concombres, j'aime trop commencer mes repas par des concombres ou alors des haricots. C'est vraiment trop bon. Donc bismillah, non de l'eau, il faut de l'eau normalement, de l'eau. Passe-moi l'eau. Non. Mais... commence par les concombres, bismillah. Ouais, tu commences par les concombres. Hey, y en a dans mon plat. Tiens, je te les donne. Je kiffe. Quoi ton estomac? Oui. Pendant le ramadan, il est fermé vu que tu manges pas. Et quand tu mets des concombres, il souffle comme ça, il fait un câlin comme ça. Et après, le poulet, il descend. Ça. Ici, on a des wings. Vas-y, je te change. Ça va, elle est grosse, hein. Elle a fait de la musculation. Moi aussi. Alors, on s'échange. Je te passe. Attends, je vite fait, il faut que je mesure. La plus petite, tiens.
On se passe deux, s'il te plaît, parce que moi je t'en passe deux. Ok, on s'est échangé. On va prendre la pépé sauce. On commence pas par le burger. Moi je commence par mes frites. La pépé sauce, les amis. Tu veux goûter mes frites ou pas? Ouais, je veux bien goûter tes frites. Vas-y, on va commencer par goûter les frites. Bon appétit, ceux qui. C'est pas encore l'heure, je suis vraiment désolé. Mais normalement, moi je regarde des vidéos des fois de bouffe alors que je suis en train de jeûner. Normalement, vous devez tenir. C'est bientôt l'heure. Dans quelques temps, c'est à votre tour, là, Inch'Allah. C'est pas des frites basiques, c'est des frites avec des petits carreaux. Bismillah. Merci Charles. Charles, tu m'écoutes bien Charles? C'est qui Charles? Merci, c'est celui qui a fait fast food cuisine, il s'appelle Charles. Merci beaucoup Charles. On en avait marre des frites longues comme ça. Tu vois des frites comme ça? Ça change, la bonne pomme de terre, c'est croustillant, c'est fondant. La frite en entier, franchement, elle dépasse toutes les frites normales. Elles sont magnifiques les gars. Si on ouvre un fast food, Inch'Allah, je pense qu'on fera des frites comme ça. Les tenders, oh là 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 là. Je vois pas les tenders. T'as vu la pépé sauce, on dirait un peu de la mayonnaise. Ça a la couleur mais pas le goût. Si, ça a un peu le goût quand même. Les gars, je peux pas critiquer. Je peux pas. La panure, elle est bonne. Le poulet, il est bon. La sauce, elle est bonne. Je sais pas comment il a trouvé cette recette. Je peux pas rien entendre. Je peux même pas dire c'est trop salé ou trop sucré. Ouais, y a rien à dire, frère. Mais entre le tenders et le wings, moi je préfère le tenders parce que dans le wings, il y a des os. On va voir si le wings, il est bon aussi. Bismillah, toujours avec la sauce, c'est important. On devrait goûter aussi sans sauce. Je peux pas critiquer. Il a une recette imbattable. Je sais pas si maman elle sait faire ça. Maman elle sait faire ça, tu penses? Je pense en vrai, si elle regarde sur internet, ça peut. Il a sa recette, les gars, les poulets, je leur mets 10 sur 10. Croyez-moi que je vais manger jusqu'à qu'il n'y a plus de viande qui dépasse. Croyez-moi. Moi aussi, tu vas voir. Un animal. Il n'y a plus de viande là? Ouais, c'est bon, normalement, il n'y a plus de viande. On va découvrir le burger de Myriam. Alors, elle a pris le pépé, le classique. Puis là, c'est celui qui a la meilleure note. Montre-leur. Regardez-moi ça. Eh, après, on se laisse taper un croc dans chacun. Tu vois comment il a bombardé la sauce? Et on se laisse taper un croc dans chacun après. Ouais, je sais pas, ma soeur. C'est chacun sa part, mon frère. Quoi? Goûte, vas-y, goûte. Commence pas à. Tu vois, ça, c'est les nouveaux pains burger 2024. C'est du pain fondant. Ça glisse, ça glout, comme je dis à chaque fois. Regardez, elle fait ça avec sa main. Elle a volé mon expression. À chaque fois que je mange, ma famille me prenne pour un fou. Quand c'est bon, je fais. Oh, c'est une expression. Mais tu imagines faire ça? Vous imaginez faire ça devant toute ta famille? Ils vont dire mais t'es malade alors que tu vois ça passe encore. Franchement pour ma part c'est super bon, vous savez pourquoi? Parce que là on dirait un pain, un tenders. C'est un tenders. Ah ouais? Oui c'est les tenders, ils les ont mis dedans. Elle a un palais de Doberman, vraiment, ouf ouf. Goûte. Non je vais goûter le mien. Mais on va prendre, on s'échange les trucs. Mais pourquoi tu veux échanger à chaque fois? Je veux goûter le raclette. Mais j'ai pas envie moi. Bah moi si. Oh il est beaucoup plus gros celui-là hein. Regardez. Normalement il y a, oh là là, ça dégouline de sauce. Bismillah. Ça fait son burger. T'étais dans mon corps? Désolé pour cet énervement, mais je rigole pas avec la bouffe. La sauce, elle est super bonne. C'est une sauce barbecue. Il a mis des oignons rouges, du bon cheddar. Non, c'est même pas du cheddar, c'est du fromage raclette. Et le pain est mou. Donc vas-y, maintenant tape ton croc. Merci. Tape ton croc. Tiens, et toi, je te laisse taper. Vas-y, tape ton croc. Bismillah. Ok, je tape mon croc. Bismillah. Enfin, un gros croc, tu vas voir. Non, c'est un gros croc. Wow! Prends les deux. Miriam, ça c'est pas, tu m'as tout mangé mon hamburger. Et moi aussi, tu m'as tout mangé. N'importe quoi, je dois en remettre un petit. Non, un petit croc. Un petit croc, frère. On va parler sagement. T'as fait deux crocs, j'en ai fait qu'un, j'en fais un. Je vais en faire un petit. Ok, bah moi je vais en faire un, c'est en fait. C'est ça le tien? J'en ai fait un. Tiens, mais regardez, il me reste quoi? Voilà maintenant, voilà. Non, mange ton poulet et tes frites. Ton petit corps de crevette, tu vas même pas tout finir. Les gars, on va se laisser là. Parce que je sens qu'elle va tout me manger, on se reprend après. On est posé devant une vidéo, vous avez vu les amis, la journée d'un musulman c'est quelqu'un qui a une journée équilibrée, c'est-à-dire on fait un peu de tout. On s'amuse un petit peu, on fait un peu de sport, on lit le Coran, on fait des adorations, c'est un peu de tout, tu vois, c'est pas que des adorations et c'est pas que du divertissement et du plaisir, faut vraiment varier un peu de tout. Donc là la famille, j'ai une question à poser à Myriam, est-ce que tu vas jeûner ou pas pendant le ramadan? En fait moi je vous explique, pendant le ramadan j'aurais bien voulu jeûner tout le ramadan, mais en fait le problème c'est que je peux pas parce qu'il y a l'école, mais j'ai quand même essayé de jeûner la moitié du ramadan et aussi... J'ai un truc à dire pour tous ceux-là qui ont mon âge et qui veulent faire le ramadan. Attends, on précise que Myriam n'a pas atteint la puberté encore. D'ailleurs, sachez une chose les amis, tous les jeunes qui vont regarder la vidéo et qui n'ont pas atteint la puberté, c'est pas obligatoire de jeûner. Si vous voulez essayer, il n'y a pas de problème, essayez. Mais si vous voyez que c'est compliqué pour vous, c'est dur ou quoi, ne prenez pas de risque. Le but, c'est pas de tuer votre santé, c'est pas obligatoire. Par contre, ceux qui ont la puberté, qui sont au collège ou au lycée, c'est obligatoire, même si à l'école. C'est obligatoire, même si à l'école.
l'école, faut le faire. Nous, on l'a déjà fait, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Après, ça se passe bien généralement quand tu vas à l'école et tout. C'est stylé, en plus, il y a tes potes, t'es avec tes potes et tout, c'est trop bien. Pour ceux qui mangent à la cantine, Jay, comment ils font pour ceux qui mangent à la cantine? Moi, je mangeais à la cantine et personnellement, je restais dans la cour de récréation, j'allais pas à la cantine. Et les gars, si vous voulez me voir jeûner dans un vlog, mettez un like parce que vous, je sais que vous voulez me voir souffrir. Attention, quand on jeûne, c'est pour Dieu, c'est pas pour les gens. Ouais, je sais. Du coup, je vous demande juste un like parce que vous voulez me faire souffrir derrière votre écran là, c'est sûr. Voilà comment la journée se finit, les gars. Myriam, elle tape un gros sub. Regardez sa position. Oh, je dirais, elle est KO. Elle est en train de ronfler. Ah. Myriam, va dormir dans ton lit, frère. Tu dors, frère. Elle est somnambule, genre en mode, elle dort pas vraiment là. Elle est KO de ouf, les gars. Myriam, laisse-moi mon lit. Va dormir. Elle est en train de lutter. T'as vu quand t'es comme ça? Oh, elle est en train de lutter entre le réveil et le sommeil. Vas-y, porte-la dans son lit. Porte-la dans son lit. Voilà, cicatrisé, on va dans ton lit. Comme un sac de patates. Ah, allez, Yassine, fais gaffe, elle est somnambule. Elle a chargé son téléphone dans mon truc. On va laisser les abonnés là parce que déjà, on a passé une bonne journée. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon Ramadan à toute la famille. Que Dieu vous facilite à toutes et à tous. Et c'est vraiment très important. Donc les gars, lisez le Coran au moins tous les jours. Faites-vous un programme, c'est important. Faites vos prières à l'heure, la famille. Nous, on vous laisse là. Ciao.